satu lagi mais oui, Hugues avec vous, avec son t-shirt de postier, ok. Mais qui sera aujourd'hui pour vous témoigner des détails sur son périple de chanteur. Témoignage d'un chanteur, oui, qui s'appelle Hugues Drey, vous le savez, qui chante depuis maintenant 42 ans, qui n'a jamais arrêté, et qui n'arrêtera probablement jamais, sauf si la voix me dit stop, et si brusquement avec l'âge qui file à grands pas, je devais me devenir paralysé ou perdre la boule du jour au lendemain. Ah, à force d'avoir chanté un peu partout sur les routes de Belgique, de France, parfois de Suisse, de montrer régulièrement ma tête à gauche et à droite, ben j'ai quand même rencontré pas mal de gens qui me connaissent et qui parfois viennent me voir en spectacle quand j'ai l'occasion d'en donner. Et il n'est pas rare qu'on me demande où vous produisez-vous ou quand vous produisez-vous, ça me fait plaisir. Mais j'ai rarement, pour pas dire jamais, l'occasion de leur répondre, de leur donner une date où je me produis. Faut dire, c'est pas, il y a l'envie de chanter, c'est une chose. Trouver des endroits est autre chose. Et en plus, quand vous connaissez les endroits, être sûr que vous allez être engagé, c'est encore une troisième paire de manches. Et combien de fois quand quelqu'un me dit « prévenez-nous quand vous produisez » et qu'ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas l'occasion de venir me voir en spectacle, j'ai quand même souvent envie de leur demander, de dire « mais arrêtez d'attendre qu'une publicité vous annonce qu'un gars qui s'appelle Hugues Drey se produit. Qu'attendez-vous pour m'inviter chez vous, d'inviter des gens, même en toute liberté, de prendre une disposition pratique ?» Maintenant, il faut aussi être au courant, parce qu'on a beau être dans le circuit, il y a combien de lieux, ne fût-ce qu'à Bruxelles où j'habite, qui programment peut-être de la chanson, ou qui pourraient peut-être m'engager dans leur lieu, mais encore une fois, faut-il que je sois au courant de leur existence, parce que même dans la commune où vous habitez, il y a peut-être parfois un lieu qui existe que vous ne le savez pas. Et un beau jour, soudainement, par le bouche à oreille, vous apprenez qu'il existe un lieu. Alors, pour autant qu'il existe des lieux, ouais, ça a déjà fonctionné, il m'est déjà arrivé d'aller sur place, d'avoir un bon feeling avec l'organisateur qui soudain me propose une date. Mais vous avez aussi un nombre assez incroyable de lieux, et je le dis parce que je suis dans le circuit, je l'observe, qui fonctionnent. Ils vous demandent que vous leur envoyiez des documents montrant ce que vous faites. Ben, une fois sur deux, vous n'avez pas de réponse, ou quand vous en avez une, ils vous disent, gentiment mais sûrement, que votre genre n'est pas le genre de la maison. Mais je vais prendre le positif, ma vie me convient très bien. Depuis 42 ans que je chante, j'ai toujours chanté, j'ai toujours trouvé une oreille autour de moi et j'ai créé mon équilibre de vie autour de ça. Je n'ai pas ou je n'ai plus de regrets de ne pas être une vedette médiatique. Bon, j'aurais eu l'opportunité, ou en supposant que moi qui ai 62 ans
il existe une période qui pourrait exister ou qui n'existera jamais, où on ne privilégie pas, comme chanteur débutant, des gars qui ont 20 ou 30 ans, mais qu'on peut laisser la place à un débutant de 62 ou de 70 ans, oh, ça pourrait se concevoir dans les périodes à venir, ben, je dirais oui. Je dirais oui parce que ce serait une bonne opportunité. Mais connaissant mon bonheur de vivre, mon bonheur de créer, mon bonheur d'avoir des projets, en me disant que la vie me comble de tellement de façons, jusqu'où serais-je plus avancé si maintenant j'avais ou je bénéficiais d'une gloire médiatique qui m'assurait un certain nombre de contrats annoncés? Faut peser le pour et le contre. Il y a des gens célèbres qui vivent leur célébrité comme des prisons, parmi les gens connus, des gens moins connus. Alors oui, je vais faire un peu le point. Maintenant, nous sommes le 13 août. Je peux me dire, avec mon schmilblick à moi, allez, je prends par exemple l'exemple que demain, après-demain, on sera le 15 août. Les fêtes ne manquent pas en Belgique. Bon, je connais à Marchand-Famène en Belgique la foire 1900, où je vais peut-être en spectateur, mais je prends ma guitare, et plusieurs années de suite, je peux me faufiler dans une rue et chanter une heure. Bah, je peux retrouver des gens que je connais, d'autres gens qui vont s'arrêter, qui vont m'acheter un CD, ou je peux me faire un copain. Ça a toujours été. Je peux aller à Huy, où il y a aussi une fête. Donc, je dirais, je ne suis pas dans une dépendance de lieu, mais mon besoin de chanter, de partager, étant inné chez moi, je peux très bien dire, à défaut d'avoir des lieux, eh bien, je peux prendre le train jeudi prochain, je peux aller à Huy, je peux aller à Liège, je peux aller à Marche, c'est tout à fait gérable dans les trajets en train. Ça ne me coûte rien de faire un tour, même si je ne chante pas, puisque je vis en fonction d'une vie qui me convient, que je transporte avec moi mes rêves, mes images, mes chansons nouvelles, anciennes, et que je peux toujours me placer quelque part où je peux être remarqué. Ça peut marcher comme ça peut foirer. Maintenant, j'ai déjà rencontré des chanteurs qui, soutenus par une communauté française ou quelque chose comme ça, avaient un certain nombre de concerts prévus et que je me disais, nom de Dieu, je voudrais bien être à leur place. Mais quand eux-mêmes, dans un cadre beaucoup plus convenu, me racontaient aussi les galères liées à l'organisation, la sono, le monde qui vient ou qui ne vient pas, ben je me rends compte qu'ils ne sont pas forcément mieux lotis. Bon, je pense encore à une autre fête qui se trouve dans Brabant Wallon, qui a lieu chaque année, dont j'avais connaissance l'année dernière par Facebook. Il se fait que, bon, indépendamment des spectacles ou des gens qui se produisent, il y a des scènes ouvertes tous les jours. Je peux affectionner les scènes ouvertes à partir du moment où, librement, je peux trouver une possibilité à un certain endroit de chanter. Ah oui, j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui chantaient, qui disaient que les scènes ouvertes ne rapportaient rien. Oh, c'est vrai que dans une scène ouverte, vous allez peut-être chanter 2-3 morceaux. Je préférerais largement donner un petit récital avec au moins de 50 minutes, avec au moins une dizaine de chansons. Ben, je n'ai même pas cet avantage-là. Mais passons. Mais je vous donne le cas. Je m'inscris à une scène ouverte. Bon, où je vais aller dans 15 jours. Maintenant, je vais gentiment vous donner un peu, pas l'envers du décor, mais le côté concret. Je vois sur Facebook que l'organisateur laisse son numéro de téléphone et son adresse email. Je lui envoie une adresse email, je lui envoie mon désir de participer par email et également par SMS, ce qui me paraît très concret en tant que chanteur pour répondre à la possibilité. Bon, je vois que je n'ai pas de réponse. Je retourne sur le site concernant cette fête
et je m'aperçois qu'il est mis inscription. Bon, je clique sur le mot inscription, il n'y a rien qui paraît. Donc, je comprends qu'il faut s'inscrire, mais qu'on doit passer par l'organisateur. Oui, mais j'ai déjà envoyé un mot à l'organisateur. Je n'ai pas de réponse. Jusqu'où ? Si maintenant je relance l'organisateur, me donnera-t-il une réponse ? Ou jusqu'où ne me donnera-t-il pas de réponse ? Parce qu'il n'a pas envie de me répondre. Il a le droit. Ou dans quelle mesure ? Il est peut-être pris par autre chose parce qu'il doit organiser sa fête. Parfois, je me dis aussi que je peux être exclu d'un endroit parce que je me suis tellement montré que je suis vécu comme un casse-pied et que d'office, en coulisses, on me met sur la paille. C'est peut-être très parano, mais c'est une possibilité. Ben, j'ai quand même pris le risque de relancer en demandant à quelle heure, si je m'inscrivais à la scène ouverte, j'étais programmé. Ben, le gars, il a fini par me répondre que ce n'était pas encore organisé, mais qu'il me préviendrait la semaine prochaine. Ça va, la vie continue. Je peux aussi parler de certains festivals, ou même des festivals de rue. Bon, je ne suis pas que chanteur de rue, parce que j'ai parfois l'étiquette du chanteur de rue, mais je ne suis ni un chanteur de rue, ni un chanteur de cabaret, ni un chanteur de ceci, ni un chanteur de cela. Je suis quelqu'un qui chante. Il est vrai que sur 42 ans de parcours, la rue a souvent été un moyen pratique qui me permettait de chanter, de créer des contacts sans être dépendant d'un contrat, ni de quelqu'un qui me fait tourner. Bon. Mais même dans les... Je connais un festival de rue où je vais depuis 3-4 ans, où je me plais bien, et je... Bon. Et vous avez... ils donnent chaque année la possibilité de postuler et de s'inscrire. Ben, ça fait la deuxième ou troisième année qu'on me répond, désolé, on a écouté ce que vous nous avez proposé, mais il suffit que par exemple sur 80 qui postulent, il y en a 8 qui sont retenus. Je ne suis jamais dans les 8 qui sont retenus, ni dans les 20. Forcément, il y a la loi du nombre. Et je respecte tout à fait ça. La seule chose que je remarque quand même, c'est que parfois dans ces mêmes festivals, en y retournant d'une année à l'autre, je vois souvent que certains sont toujours programmés et reprogrammés. Tant mieux pour eux. Mais je peux toujours dire, même en chanson je vois ça, que c'est toujours les mêmes qu'on programme et d'autres qu'on ne programme pas ou à qui on dit, il y en a trop qui ont postulé. Bon, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Je peux quand même parfois me dire, ok, j'aime bien les gens qu'on voit chaque année, mais si vous retiriez les 5 ou 10 qu'on programme chaque année, vous pourriez vachement donner des chances à 10 autres, dont je fais partie, qui ont peut-être aussi une certaine qualité et qui pourraient aussi faire partie de l'ambiance. Bon, je me contente de me le dire parce que je ne suis pas organisateur. J'ai parfois des témoignages d'organisateurs qui sont très intéressants. Je ne me situe pas dans la même longueur d'onde. Et je ne sais pas ce qui pourrait m'attendre si maintenant je bénéficiais de plus de programmation. Je sais une chose, il y a 42 ans que je chante. Ça peut être sur virtuellement, au Covid. Heureusement que mes réseaux sociaux ont été là, avec tout ce qu'on peut dire, parce que j'ai pu chanter, chanter, chanter. La liberté est encore là, et je la remercie. C'est elle qui nourrit mes chansons. Je n'ai sûrement pas tout dit dans mon témoignage. C'est impossible de tout dire. J'en resterai là pour aujourd'hui. Témoignage d'un chanteur qui vous aime et qui se sent très aimé.